C'est un pays qui a une culture riche du point de vue de la pêche. De nombreux grands noms de pêcheurs français résonnent encore dans le monde. Depuis quelques années, la pêche est développée à travers des concepts comme le street fishing ou le rock fishing grâce à la mise en place d'un matériel adapté. La perche fut mise à l'honneur avec à côté d'elle un poisson qui lui ressemble étrangement en raison de la forme de son corps. Dans ce troisième épisode, nous allons nous intéresser à un poisson qui a fait couler beaucoup d'encre ces dernières années. Le sandre est un poisson qui est apparu en France au début du XXe siècle. Il y a plusieurs espèces de sandre. Celui que nous connaissons en Europe, le sandre volgensis de la Volga et le sandre marin de la mer Caspienne, ainsi que le doré présent en Amérique du Nord. Le sandre fait aujourd'hui partie des carnassiers qui sont les plus recherchés par les pêcheurs amateurs. En effet, le brochet unique grand carnassier natif a décliné suite à l'aménagement croissant des hydrosystèmes. La maîtrise des crues, la réduction des annexes fluviales, le marnage des lacs de barrage ont fortement réduit leur zone de frayère. Le sandre, moins exigeant en termes de reproduction, a largement prospéré. Le mot cendre, dérivé du nom allemand Sander, lui-même dérivant du mot Zahn, qui signifie dent, faisant probablement référence aux deux paires de canines proéminentes de cette espèce. La distribution naturelle du cendre se situe entre l'Elbe à l'ouest, la zone autour de la mer Baltique au nord et le sud-ouest de la Russie. Sa pêche sportive et commerciale y connaît un grand succès. De ce fait, dès le début du 19e siècle, il fit l'objet d'introduction aux Pays-Bas, puis il s'étendit en Europe de l'Ouest et dans les pays du Maghreb. Des tentatives d'introduction ont été effectuées dans la Seine durant la première moitié du 19e siècle, mais la première capture de sandre fut enregistrée en 1912 dans le canal de la Marne-au-Rhin. Auparavant, il en avait été déjà pris dans le Rhin en 1888. En 1912, l'espèce est répertoriée dans le canal du Rhône au Rhin. De là, elle arrive dans le Doubs environ dans les années 1915-20 pour enfin coloniser la Saône à partir de 1920. Les cendres de la Saône provenaient du lac de Constance et peut-être de la pisciculture de Hüninge où des fuites ont pu se produire. Cette dynamique de colonisation l'a amené à dévaler dans le Rhône où il y est noté en 1932 pour arriver en 1948 en Camargue. En 1950, le cendre s'est retrouvé aussi dans la Moselle et la Meurthe du fait de l'alvinage par les Allemands en 1940-44 de l'étang de Richecourt-le-Château, réservoir d'alimentation du canal de la Marne-au-Rhin. À partir de 1950, il s'est produit une explosion démographique de l'espèce dans les eaux françaises grâce aux alvinages provenant de la forte demande de la part des associations de pêche. Aujourd'hui, le cendre est présent dans l'ensemble du réseau hydrographique français. Nous allons partir sur les bords de la Camargue, un territoire à la confluence du Gard et des Bouches-du-Rhône, du Languedoc et de la Provence, du Rhône et de la Méditerranée. Au sud d'Arles, dans le delta du Rhône, la Camargue couvre un espace de 150 000 hectares entre ciel, terre et mer. Couverte d'étangs et de lagunes, c'est une terre d'élevage de chevaux et de taureaux qui vivent en liberté au milieu des flamants roses et des centaines d'autres espèces animales. L'apparition du cendre en Camargue à la fin des années 40 est favorisée par l'adoucissement des eaux saumâtres du Vacarès suite à l'augmentation des apports en eau douce due aux exploitations rizicoles. Les conditions y sont favorables de sorte que la population ne cesse de croître jusqu'en 1958 où 38 tonnes de cendre sont
récoltés par les pêcheurs professionnels officiant sur le Vacarès. À partir de cette date, la population va chuter pour atteindre une tonne en 1966, et ce malgré un soutien de la population par des alevinages. Son expansion en France est due à la reproduction artificielle opérée dans la pisciculture de Silvéréal en Camargue et sa dissémination par les associations de pêche. Son introduction a été accompagnée d'une épidémie de bucéphalose, maladie due à un ver parasite ayant le gardon et la moule zébrée en hôte intermédiaire. Cette maladie n'est pas encore maîtrisée et les conséquences peuvent être spectaculaires. Poissons couverts de plaies infectées, ne possédant plus que des monions de nageoires, mâchoires à vif, maigreur extrême, organes internes lésés, faiblesse générale des individus incapables de se déplacer et de se nourrir normalement. Si on a longtemps cru que le cendre vivait exclusivement sur le fond, alors que ce n'est pas tout à fait le cas comme l'on peut le constater sur ces clichés. La vision du cendre a fait couler beaucoup d'encre car il possède une rétine qui réfléchit la lumière et beaucoup plus de cellules réceptrices pour la vision du noir et blanc, c'est-à-dire la vision nocturne. Indéniablement, il possède de grandes facultés pour se nourrir la nuit ou au moment les plus sombres. L'œil est globuleux et vitreux avec une rétine munie d'un tapis riche en pigments rétiniens qui réfléchissent la lumière et augmentent l'acuité visuelle aux faibles intensités lumineuses. Le cendre dispose de deux nageoires dorsales, la première pourvue de rayons épineux séparés de la seconde par un court intervalle. Les écailles sont petites, le dos présente une coloration grise verdâtre avec des bandes verticales foncées alors que les flancs sont plus clairs. Le ventre est blanc, sauf chez le mâle en période de reproduction, qui exhibe une teinte plus sombre. Les cendres charbonniers sont un cas intéressant car on sait que lors de la surveillance de son nid, un mâle cendre est bourré d'hormones le rendant agressif et qui s'habille d'une robe très sombre. Un cendre grossit assez vite, un cendre âgé d'un an peut mesurer jusqu'à 25 cm si la nourriture est abondante. La reproduction du cendre est principalement conditionnée par la température de l'eau. Elle débute donc à partir de 12 degrés. Cela correspond généralement au mois d'avril et de mai suivant les régions. Elle peut même débuter un peu plus tôt dans le sud de la France. Lors de la reproduction, le cendre se dirige vers des frayères. La reproduction se fait généralement sur un sol dur, sableux et graveleux et dans un milieu peu profond, environ de 1 à 3 mètres. Lorsque vient le moment de la reproduction, qui s'étale d'avril à juin en moyenne, le cendre mâle va construire un nid de 0,5 à 1 mètre de diamètre et va attirer sa femelle qui va féconder la ponte. Ce nid pourra être fait de branches, de végétaux mais aussi de simples cailloux. Une femelle peut pondre jusqu'à 200 000 œufs par kilo de son poids. Le mâle se positionne sur le nid et protège la couvée des prédateurs. Il passe son temps à ventiler les œufs pour éviter de les voir recouverts par des sédiments. À 2 ans, il peut atteindre 35 à 40 cm, bien apte à se reproduire, mais la plupart du temps c'est à 3 ans. Il grandit ensuite d'environ 10 cm par an, mais c'est une moyenne qui varie en fonction des biotopes et des individus. Les écailles sont rugueuses au toucher, sa taille est couramment de 70 cm à l'âge de 6 ans pour un poids de 3,5 kg. De manière générale, la moyenne des prix se situe entre 2 et 3 kg, bien que leur taille courante est comprise entre 5 et 7 kg. Les records atteignent 1,30 m pour plus de 15 kg. En France, le cendre est soumis à une taille légale de 40 cm dans la majorité des eaux de deuxième catégorie. Notant tout de même qu'il existe certaines exceptions, étant donné que certains départements n'ont aucune taille légale. Dans les toutes premières années de sa vie, le cendre se nourrit essentiellement de petits organismes tels que des vers, des larves ou encore des mollusques. Ce n'est que plus tard qu'il s'intéressera à des poissons de plus grosse taille. À côté de cela, les proies mortes auront de plus en plus d'importance dans son alimentation. Il est vrai que son gosier est particulièrement étroit, cependant cela ne l'empêche en rien d'engamer des proies de belle taille. Il préférera tout de même des poissons dont la taille est comprise entre 5 et 10 cm. À un certain moment, le cendre cherchera à se nourrir essentiellement de proies mortes, sans pour autant abandonner les poissons vivants s'ils sont faciles à prendre. Après avoir passé une période durant laquelle le cendre se nourrit sans relâche, il est possible qu'il reste plusieurs jours sans s'alimenter. Dans la nature, le cendre parcourt en moyenne 6 km par jour. Les femelles adultes atteignent des vitesses allant jusqu'à 1,5 fois la longueur de leur corps par seconde. En règle générale, les cendres circulent à des profondeurs de 0 à 5 mètres. Les cendres peuvent vivre aussi bien dans les eaux douces que saumâtres, c'est-à-dire qu'elles peuvent comporter une teneur en sel
d'environ 0 à 3%, l'espèce supporte jusqu'à 10% de teneur en sel. Les juvéniles ont tendance à descendre le fleuve, les cendres adultes vont vers les côtes au printemps après la frai et remontent vers les eaux douces en automne. En raison de ces migrations, un cendre peut parcourir jusqu'à 250 km par an. Les cendres ne forment pas de banc, ils chassent en groupe, se réduisant avec la progression de l'âge et pouvant finalement n'être constitués que de quelques individus. Le cendre préfère les régions avec une faible intensité lumineuse et il y grandit plus vite dans ces conditions-là. Il se nourrit en toute saison, semble-t-il même pendant la frai. À la différence du brochet, sa bouche ne s'ouvre pas très grand et ne lui permet pas de grosses prises. Il consomme à peu près comme le brochet, mais bien plus souvent car ses proies sont petites. Dans sa nature, il chasse surtout au crépuscule et à l'aube, mais aussi la nuit et le jour. Le territoire de chasse choisi dépend aussi bien des individus que de la saison. Le cendre est un carnassier très recherché par les pêcheurs et en matière de technique, ils ont vraiment l'embarras du choix. Le cendre se pêche aussi bien avec des leurres dures et plus précisément avec des crankbait qu'avec des leurres souples en vertical et en linéaire avec le mythique shad. Le cendre peut aussi se pêcher au magnet, au vif, au poisson mort posé sur le fond ou encore à la tirette. Pour le leurrer, il ne faut pas hésiter à varier ses animations et varier le coloris de ses leurres. Il convient de varier les présentations car le cendre est un poisson très tatillon. Il ne faut pas hésiter à descendre le diamètre de son fil. Il y a un développement de l'élevage des cendres qui commence au 19e siècle lorsqu'ils furent introduits dans les étangs de l'Europe centrale et de l'Est à côté des Caps. À cette époque, la production était insignifiante, alors qu'au début du 20e siècle, des alevins de cendres furent obtenus à partir de frais naturels. Depuis la deuxième moitié du 20e siècle, les cendres sont aussi élevées dans des étangs en Europe de l'Ouest. Cette forme d'élevage est jusqu'à présent exploitée de manière extensive. Les cendres produits représentent ainsi un complément à d'autres espèces. Ce n'est que depuis le début du 21e siècle que les cendres sont produits dans des systèmes à flux continu en Europe de l'Ouest. L'élevage intensif et l'engraissement des cendres progressent. Les cendres d'élevage proviennent aujourd'hui essentiellement de Tchéquie, Hongrie, Pologne, Roumanie, Ukraine, Danemark, Hollande et Tunisie. Néanmoins, il y a environ 9 fois plus de cendres qui proviennent de la pêche que de l'élevage. Nous allons partir sur les bords de la Volga à Nijni Novgorod, là où se trouve une espèce magnifique de cendres qui présente une robe atypique. La Volga prend sa source dans les collines de Valdaï à 228 mètres d'altitude entre Moscou et Saint-Pétersbourg avant de se jeter dans la mer Caspienne après un long parcours de 3690 km durant la Seconde Guerre mondiale. La Volga fut une ligne de défense précieuse pour l'armée rouge après les défaites de l'été 1942. Depuis quelques années, l'Europe de l'Est a su faire parler d'elle grâce à des poissons mythiques tels que le taimen, le brochet ainsi que le saumon du Pacifique et des paysages magnifiques qui seront totalement dépaysants au cœur de la steppe. Dans les fleuves de Russie, il y a un poisson que nous n'avons pas. Il se nomme le cendre de la Volga. C'est un cousin du cendre européen. Sur la Volga, on l'appelle Berchi. Monsieur Pallas l'a dénommé d'abord dans son voyage de Russie Perca Volgensis et le décrit comme un intermédiaire entre la perche commune et le cendre, tout comme Monsieur Gemlin qui l'a adopté sous ce même nom. La forme du cendre de la Volga est celle du cendre européen, mais un peu plus épaisse. Sa tête est pareille, seulement les yeux sont plus saillants, leur forme est ovale et ils ont l'iris argenté et plus large en arrière. Les dents sont beaucoup plus petites, il y en a aussi quelques-unes à la mâchoire supérieure et deux à l'inférieure plus grandes que les autres. Sa robe, elle est marquée de bandes longilignes noires qui confluent les unes dans les autres. Les pectorales sont transparentes et soutenues par 14 rayons. La caudale est un peu plus fourchue. Ce poisson a un corps moins imposant que le cendre, plus semblable à cet égard à la perche commune, à l'aide d'environ 6 traits noirs alternativement ininterrompus. Le cendre de la Volga est un poisson endémique, sa taille est d'environ 60 cm, même si de plus gros sujets auraient été déjà pris à l'aide d'un filet jusqu'à 1,10 m. On le prend notamment dans les fleuves qui se rendent jusqu'à la mer Caspienne, le Palus Meotide et le Pont Euxin, mais principalement dans la Volga et dans le Don. Une espèce beaucoup plus rare est présente en Russie que les Russes de la côte de la mer Noire nomment Morskoy Soudak, c'est-à-dire le cendre de mer. Pour l'anecdote,
la légende raconte qu'un centre serait échappé de la mer d'Azov, dont les yeux qui paraissent demi-opaques auraient été rendus tels par les eaux plus salées de la mer Noire. Ce centre de mer ressemble par sa taille, par sa forme et par sa couleur à l'espèce européenne que nous connaissons. Il y a des taches brunes sur le flanc, rondes sur la queue, lui traversent chaque côté du corps. Sa tête est un peu comprimée, son museau en cône déprimé. Ses mâchoires sont égales, ses dents sur une seule rangée écartées sont fortes, coniques et pointues. Les premières de chaque côté à chaque mâchoire forment de vraies canines, les antérieures sont menues. La langue est libre, à l'iris d'un jaune argenté marqué de brun en dessus. Les nageoires ont moins de taches que le cendre européen. C'est une espèce très rare que les pêcheurs de l'Est appréciaient manger en fin d'automne lors de son pic de prise et de sa chair blanche très savoureuse. Les trois premières espèces que nous avons présentées sont originaires du continent européen. Dans la famille des cendres, il existe l'un de ses cousins. Sur le continent nord-américain, on l'appelle le Wally ou le Doré. No Limit French Fish vous présentera dans une prochaine partie les mystères que recèle le cendre canadien en prenant conscience que l'on doit respecter ce poisson. Merci d'avoir suivi cet épisode.